Un pied a marché sur un éclat de verre. La petite fille saignait de la perforation. À ce moment, une grande force sous l'eau. Il s'est approché de la fille avec l'odeur du sang. Mais à la dernière minute, la fille s'échappe. Voici l'ancien piranha qui a tué le Tyrannosaurus Rex. Hier encore, un vieil homme buvait et pêchait dans un lac. Le vieil homme passait un bon moment. Soudain, il a laissé tomber sa bouteille dans le lac. L'instant d'après, son corps s'est mis à trembler violemment. Le fond du lac a commencé à s'effondrer et un énorme vide s'est ouvert. La surface calme du lac commence à tourner autour et autour. Un tourbillon se forme et le vieil homme tombe accidentellement dans l'eau. À ce moment, d'innombrables piranhas sont sortis du trou béant et s'est précipité dans le tourbillon vers le vieil homme. Ils l'ont rongé à mort en un instant. La police a reçu la nouvelle que le vieil homme avait disparu. Ils sont venus fouiller le lac et n'ont trouvé qu'un squelette. Pour découvrir ce qui s'était passé au fond du lac, un adjoint du shérif est venu avec une équipe de chercheurs pour enquêter. Deux chercheurs plongent sous l'eau. Ils ont bientôt trouvé un trou. Une fois à l'intérieur, il y avait un autre grand espace. Il y avait beaucoup de choses étranges à l'intérieur. L'homme était curieux et a essayé de toucher les œufs. Soudain, quelque chose le mord et le sang se répand.